Bertrand Cantat n'en a pas fini avec la justice. Cette fois, c'est lui qui a décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre Yaël Mellul, selon le JDD, une féministe présidente de l'association Femmes et Libres qui avait dénoncé au parquet de Bordeaux en janvier le rôle qu'auraient pu jouer des violences physiques du chanteur dans le suicide de son épouse Christina Radi il y a 8 ans, le 10 janvier 2010, rappelle le JDD, une plainte du mouvement féministe qui avait été classée sans suite le 6 juillet dernier après plusieurs auditions. Les investigations effectuées n'ont pas permis de caractériser que le suicide était en relation avec des violences physiques ou psychologiques commises sur elle par Bertrand Cantat, avait alors expliqué la procureure de la République de Bordeaux, Marie-Madeleine Alliot, rappelle le site de France Info. Un élément qui renforce la défense de l'ancien leader de Noir Désir, qui a donc décidé de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.